Regarde Kenzo, j'ai fait un nouveau TikTok, il est bien ou pas? Il est bien gaze, hein. Bah, t'as qu'à te donner une meilleure idée, peut-être. Bah, appelle le super vidéaste. Bonjour, je suis Anthony, super vidéaste, à votre service. Le métier de vidéaste, en fait, c'est de raconter des histoires au travers de la vidéo avec une caméra et un logiciel de montage. Alors, au sein de mon entreprise Kamani Film, je propose des vidéos pour les entreprises, présenter un commerce ou un événement d'entreprise. Je propose également des vidéos pour les collectivités, une mairie par exemple, qui veut présenter un service ou parler d'un événement. Et enfin, je propose des films de mariage, c'est-à-dire que je passe la journée avec les mariés et je raconte la journée du mariage au travers d'un film de 3 quarts d'heure à peu près. Alors la première étape, c'est de comprendre la demande du client. Qu'est-ce qu'il souhaite, où est-ce qu'il souhaite diffuser sa vidéo, dans quel objectif. Ça, c'est super important pour comprendre. Après, on va essayer d'imaginer la forme. Donc, il y a toute une partie de réflexion et de préparation. Et ensuite, l'étape suivante, eh bien, c'est de préparer les plans, imaginer les plans qu'on va filmer. Ensuite, on se retrouve sur le terrain pour filmer. Et puis après, bah, place au montage, à la post-production devant l'ordinateur pour essayer de donner vie à ces images et donner du rythme à toutes ces images qui ont été tournées. Un film de mariage, par exemple, on passe 12 à 15 heures de tournage sur place le jour du mariage et le montage, la post-production, comme on dit, c'est 4 jours de travail. Alors ce qui me plaît le plus, c'est de raconter des histoires justement, à la fois au moment du tournage, mais aussi lorsque je suis devant le logiciel de montage, parce que là, on peut donner du rythme à l'histoire, donner des émotions. Et c'est ça qui me plaît le plus. Pour moi, un montage, c'est comme un puzzle. C'est-à-dire qu'au début, on est un petit peu perdu. Il y a toutes les pièces qui sont étalées et petit à petit, ça prend forme. Et on commence après à avoir le visage ou la forme du personnage. Et tout d'un coup, tout s'accélère, tout devient logique. Mais le début du montage, c'est le plus difficile. C'est là que je prends le plus de temps également. Il y a de nombreuses écoles qui forment au métier de vidéaste, des écoles d'audiovisuel ou bien des écoles de journalisme au travers d'une formation de journaliste et reporter d'image, un JRI comme on dit. Mais on peut également apprendre sur le tas, c'est-à-dire en apprenant les techniques au travers de stages. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de diplôme obligatoire. Le travail du vidéaste quotidien, c'est assez varié, c'est ce qui est plaisant d'ailleurs. C'est un mélange de tournage, de montage, mais également comme c'est mon entreprise, eh bien, il y a toute une partie de commercial, une partie de comptabilité, une partie de communication. Donc c'est des grosses journées bien remplies, mais très variées. Oui, Kenzo, regarde, 100 000 vues. Oh, t'as percé dans le game, toi.